Nous avons 165 000. Pas mal. L'union des petits. Châtaigne, 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 garde, 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 garde. Blocage, garde. Ouais, c'est de la régalade. On va bien bien s'amuser, dites donc. C'est original ça. Si tu dois choisir entre Bolgrot et Varag, c'est plutôt Varag. Varag avec blocage, châtaigne, force 5. Bon, il a garde partout de toute façon. Hein. Donc autant faire comme ça. Ouais, mon gob avec réception, on va le laisser dehors. Tout comme le gob avec... avec libération contrôlée, je pense. Hein. Réception, ça peut servir pour l'OTTD. Libération contrôlée, on va le prendre pendant l'attaque. Ça farme pas trop, non, Albi. Salutations, le panda dragon. Ça farme pas trop parce que je joue pas tant que ça, en fin de compte. Hein. Je dois avoir fait depuis la nouvelle saison... 8 matchs, 9 matchs, pas plus. Il n'a que 2 relances. Voyons. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre en fait. Il va tenter de me le surfer? Qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais bien voir ça, moi. Un dé, tu le mets là et après tu fais comment? Et un dé ici. Ah non, deux dés. J'ai eu peur. Ok, donc Googlix est sonné. Bah, j'espère pas, Jérém. Hein. J'espère vraiment que Artag va être bon ici. On a vraiment besoin de lui. Hein. Là, on a que deux châtaignes, Artag et Varag. Ok, il me gonfle ce Artag. Je n'en peux plus de ce Artag. Mais vraiment, match après match, il est fidèle à lui-même. C'est une horreur. Ah non, mais Albi, tu devrais voir les matchs. J'ai eu des triples crânes, des doubles crânes, mais en pagaille. Il est mort 2 fois, blessé 1 fois. Il a régénéré les 3 fois. C'est un truc de fou, ce Artag. Tout ça en 5 matchs, hein. Salutations, Squally, comment tu vas? Bon, j'ai toujours pas compris ici. Moi, hein. Ouais, j'ai pas grand-chose à faire, là. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. En fait, il voudrait me le surfer en deuxième intention. C'est bizarre. Moi, je vais faire une esquive ici. Hein. Même si c'est une 4+, hein. Je tombe, je m'en fous. Là, j'ai juste envie de définir où je vais blitzer. Bon, déjà, toi, tu te relèves. Hein. C'est pas toi qui vas blitzer, sache-le. 4, 5, 6, 7, 8. Je peux mettre le gob. Mais je vais me les faire taper. Ça va être chiant ce match. Vraiment. Allez, on a 2 dés là. Je vais agresser le roule mort. Rien à battre. On va blitzer ici. Blitz. A2D. Je vais rester. Moi, je m'en fous, j'agresse le roule mort. Il est stonné, le roule mort. Par contre, on est repéré direct. Allez, tu sors. Ça sent le match pourri. On le sent bien. On va se faire surfer du coup ici.
Salutations GV, comment tu vas? Salutations le Xebus, comment vas-tu? Mais pourquoi il fait un 1D? Mais j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. Tu viens de déménager quoi, Xebus? Salutations, poussin. J'ai envie de chialer, mais vraiment, hein. Ah, d'accord, c'est cool. Celui que tu avais dans l'autre ville. Je dis rien, on sait jamais. Merci, Yada, va faire des abdos. Acte. Salutations Binousator, merci beaucoup pour le sub. Comment tu vas? Ah, c'est cool, Xebus. Vous allez plus jamais vous quitter en fait. Je sais pas si c'est cool en fait. D'ailleurs, j'ai fait double sur quoi? Ah, sur la blessure, double 2. En mouvement, il a été chercher le point de mouvement, d'accord. Bah écoutez, lui a bon blitz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, moyen faire une esquive, c'est moyen. Par contre, je peux venir là taper à 2D sur le tueur de troll, ça semble plus. Le blitz peut être où? Ou sur le... Ouais, on peut faire ça plutôt. Blitz sur le tueur de troll. Ça, c'est bien. Ça, c'est nul. On poursuit. On retape sur le tueur de troll. Ça, c'est bien. On reste. Moi, ouais, je vais le relever, Varag, en fait. On va laisser un gob ici. Lui, on va esquiver. On va aller le pousser à marquer vite. Je vais faire un GFI là. Allez, tu me le réussis, bien sûr. Et là, je vais faire une esquive. C'est une esquive. Alors lui, il attaque. Ouais, lui, c'est un longue barbe. J'ai toujours du mal à les reconnaître, mais bon. Allez, va marquer toi. Et lui, on va le laisser. Le gob. Le roule-mort est à terre, mais j'arrive pas à voir quand le roule-mort est à terre, moi. Comment on voit qu'il est à terre? Bon, on voit marqué sur la carte qu'il est à terre, ça d'accord. Mais sinon, c'est pas très représentatif, je trouve. Ouais, il a bon, Varag. J'aurais pu taper. J'ai complètement zappé Pink Charlie. J'aurais pu taper à 2D avec Varag. C'est, j'ai pas l'habitude de le jouer, donc je me suis un peu raté, ouais. Je m'attendais un peu à un truc comme ça. Hein. Ça, c'est ridicule. Hein. Vous faites une chance sur 27. Solitaire, bam, vous prenez un blitz sur le porteur de balles. Et un GFI? Non, tu m'as pas fait un GFI là. Hein. Me dis pas que t'as fait un GFI ici. Hein. Mais il bouge de combien lui? Bah si, il a fait un GFI. GFI avec le roule-mort alors qu'il a son porteur de balles là.
Allez. Déjà, il va griller une première corruption normalement. Et avec un peu de chance, il l'aura pas en deuxième mi-temps. Blitzer. Blitzer. J'ai envie de blitzer ce blitzer là, moi. Réception, ça peut aider ici, hein. Toi, tu te décales. On viendra peut-être à 3D blitzer ce blitzer là. On va peut-être attaquer par la droite. Allez, on y va. Ah mais c'est lui qui a le stylet, pourquoi? Ouais, parce que c'est lui qui a gagné la prière. Bon, je vais faire qu'un 2D avec Arthag, hein. J'avais même pas vu que j'avais la balle. Avec Varag, j'ai dit Arthag, non? Ah ça y est, moi j'ai Arthag en tête là. Ok. 2D avec Arthag. J'ai 2D sur le jet de buvette. Salutations Lully, comment tu vas? Il va peut-être me faire une erreur avec la frénésie ici. On va voir. Là, on lui a bloqué le roule-mort. Il va avoir un 3D hein, sur mon gobelin. Sur Burpawax, tu vas tenir Burpa. Tu vas tenir Burpa. Il tombera pas Burpa. Il n'y a que 42% de chance qu'il le fasse tomber. Donc là, il va peut-être me faire une erreur avec l'intrépidité. Ça peut être un 1D s'il rate l'intrépidité. Vers un 2D contre, hein, même. Ok, ça je prends. Là, l'idée, c'est de taper à 2D là, le mettre là pour libérer cet orque noir juste après. Je pense que ça peut être une bonne idée. On va y arriver, on va y arriver. On va les battre, ces satanés nains. On n'a pas peur d'eux. Non, il a pas blitzé. D'accord. Bon, ben ça va pas marcher ce que je voulais faire. Pas sûr de bien comprendre. Il va blitzer en faisant une esquive en force. Non, il blitz. Il touche malheureusement. Pour se repositionner. D'accord. C'est pas si mal en fait. C'est même très bien ce qu'il a fait là. Vraiment. Vraiment très bien même. Bloc. 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 Ok. Allez, c'est parti sur les 1D. Bon, on va partir à gauche. On va partir à gauche. On a un 2D là. Bagarreur, ça ne sert à rien. On va le repousser ici. On va poursuivre. Deux gardes là. Là, on esquivera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut venir jusque-là.
Jusque là. On va venir par là. Lui à tacle. Ok. On va blitzer là. Bon, ça marche pas terrible, terrible. On va venir là, on va taper là à 2D. Ça, c'est mieux déjà. On va le mettre ici, on va poursuivre. Là, je viens là pour protéger. Je vais devoir esquiver avec Varag. Et non pas Artag. Parfait. Là, je peux relever. J'ai un 1D avec blocage. J'aime assez, en fait. Il a pas garde. Je pourrais le mettre... Non, je vais le mettre là. Et je vais poursuivre. Ça me permet de me libérer du roule-mort. Je pense que le roule-mort, je vais lui en laisser un dessus. Non, je vais lui en laisser deux. Je vais lui en laisser deux. Là, il a un 1D. J'aimerais bien que le roule-mort il reste un peu scotché maintenant. Ça commence à m'agacer, là. Je t'ai dit bonjour, bonjour Cypherloo, je crois pas, hein. Donc le roule-mort va rester scotché ici, ça me va. Ces nains-là sont un peu loin. Il y a lui qui est très rapide, qui bouge de 7. Mais en même temps, il bouge de 7. Force 3 et blocage. On va essayer de se libérer d'ici. Allez, c'est parti! On fait les GFI en priorité, mais bien sûr. C'est l'idée du siècle, ça. Ça tient, c'est très bien. Ça, c'est cool, jus d'abricot, que tu tiennes. C'est excellent, même. Blitz sur le joueur qui a blocage? Non, sur le gob. Le gob tient. Un dé ici. Deux dés ici. Ça me va. Il va rester sur place. Donc, il gêne. Au moins, il va pas poursuivre. Il va pas se coller à mon gob ici. On va avoir besoin des gobs, là. Franchement, on va trouver de quoi faire. Ok, il fait pas tomber. On fera sûrement une esquive avec le joueur qui est là, avec juste R. Et on va lui laisser Bascal. Ok. Blocage ici. Il faut que je calcule bien mon coup ici. Par exemple, j'aime bien le blitz là. Pour enlever lui et le mettre là. Ce qui m'embête, c'est que c'est un blocage à 1D. C'est un blitz à 1D. À moins d'apporter un gob. Bon, déjà, il y a un 2D là. Celui-là, on va le prendre. Ça va nous permettre de libérer ce gob. Où est-ce que je peux avoir un 2D là? Je peux avoir un 2D sur ce joueur en apportant le gob ici, mais c'est un GFI. Toi, tu te relèves. Toi, tu viens là. Non, faut d'abord que je vois si Varag fait tomber. Parfait. On va rester. Ça va me permettre d'avoir un gob ici. On blitz là. Et on poursuit. Maintenant, je pense que le mieux, c'est d'amener un gob là. Taper là. Poursuivre. Et on aura un 2D ici. J'aime assez l'idée. Et du coup, on a un 2D là. On va le mettre là, mais on va rester. On va avancer un peu par là.
Je pense. C'est peut-être risqué. Non, mais je vais faire une esquive là. 1, 2, 3. Faut que je la réussisse. Parfait. Et on va faire une esquive ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je crois qu'il y a des petits soucis de langage, c'est ça? GFI, go for it, mettre le paquet, foncer. Rush en anglais. Surfer, c'est envoyer hors du terrain. Ça, c'est bon, c'est sur mon bloqueur. Ça, c'est bon. Pour l'instant, ça tient. Ouais, Lully, je suis un peu concentré là. Je suis un peu concentré, je suis aussi un peu vénère. Parce que c'est une aberration, ces équipes. Avec autant de gardes, autant de châtaignes, autant de tout ça. C'est lourd au bout d'un moment. Salutations Cerbel, comment tu vas? Et puis un joueur nain qui joue encore comme tous les joueurs nains. Je fais du 1D, je regarde ce qui se passe. Si ça se passe bien, je suis content. Si ça se passe mal, je perds. Là, ça se passe mal, par exemple. Mais Bigadin, il va faire relance et il des fait un pot. limp, va faire des squats. Ouh, mais j'ai de tout à faire là. Ok. Ça me va. Ok, je vais le relever. Je vais le marquer ici. On va taper à 2D. Ça serait bien qu'on le fasse tomber. Mais non, mon but va être où? Donc toi, tu te relèves. Toi, tu viens là. Je pourrais partir directement en diagonale là. Bloc, blitz, bloc, blitz. Esquive, on se barre. Allez, bien. Ok. Allez. Dommage. Ou alors on le pousse là, lui? Ah, c'est ce que je craignais. Pourrait venir là, apporter lui, taper à 2D, ou venir là, apporter lui, taper à 2D, mais je peux prendre un blitz derrière, mais tant pis. Et ah, il faut que je relance ça. On reste. Si je rate mon esquive ici, je suis mal, hein. Ouais, je suis obligé de la prendre. J'étais obligé de la prendre ici. Ouais, ça va être compliqué. Je voulais tenter de passer là. Mais en fait, j'ai raté le blocage ici. Ce qui fait que lui n'est pas tombé. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Parce que s'il prend les deux au sol, on reste sur place. Donc il peut pas passer et me blitzer avec eux. Par contre, il peut tenter un truc par ici. Et encore, c'est pas fait, hein. Si, il peut apporter un joueur là, tenter de taper là et me blitzer, ouais. Il y a un dé.
Et un 2D avec la... un 2D sur la balle. Ouh, très bon ça. Plus de relance de notre ami nain. Mais il a tenté le 1D. Donc maintenant il va blitzer ici. Ça va marcher, hein, il n'y a pas de raison. Ouais, il n'y a pas de raison. Ouais, ça tient! Est-ce qu'on tente le surf là de son coureur? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Bon, ça on s'en fout, hein, ça change pas grand-chose. À la donne. Ça tient. Allez, vers 1D max. Vers 2D contre. 2D contre, hein, il réussit quand même. Hein. Ok, il vient marquer là. Il continue les 1D. Il continue les 1D. Ça passe, ça pète les armures. Oh là là, que c'est lourd ces nains. Oh que je les aime pas. Allez hop. Il serait temps que tu rates quelque chose. Bon là par contre. J'ai un 2D ici. Mais il faut d'abord que je bouge lui. Blitz. Si je le fais tomber, je passe par là. Je suis tour 7. Ouais, c'est compliqué par là, tour 7. Je peux libérer un orque noir. Je peux blitzer là et tenter de m'engouffrer. Je pense que c'est le jeu. On blitz. Si on fait tomber, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se barre à l'opposé. Si on fait pas tomber, on va avoir des esquives un peu compliquées. Lui attaque là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Toi, tu te relèves. Je pense que je vais le tenter, hein. 1, 2, 3. Là, on va le relever tout de suite. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va tenter ça. Sérieux? Mais sincèrement? Putain, mais je fais pas beaucoup d'esquives. Je fais double 1 sur mon esquive. Oh, que c'est pénible! Bon, je vais commencer à faire mes pompes, hein. Bon, les pompes, c'est fait. Bon, je peux plus marquer du coup. Est-ce que je peux pas marquer avec lui s'il tombe pas? Avec un des deux là, s'il tombe pas. Avec une série de push-push. On va voir, on va voir. Parce qu'il a pas encore joué. Hein. Par contre, faudrait jouer, mon petit ami. Je sais pas ce que tu fous. Eh, il me fait gagner une case, là.
Salutations Volam, merci beaucoup pour le 16e mois d'abonnement. Comment tu vas? Ok, bon bah... Nous ça marche pas aussi bien malheureusement. Ah je l'ai pas mis, mais j'ai encore mal cliqué, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon de toute façon ça changeait rien, ça faisait une esquive quoi qu'il arrive. Mais ça m'énerve. Je voulais le mettre là. Bon c'est pas grave. Comment je peux marquer ce touchdown? En plus il a réception. Ça va demander une esquive. Ouais. Si je l'avais mis là, j'aurais pu faire une esquive 3+. Là, je l'ai pas, l'esquive 3+. Ah, ça m'emmerde de faire une esquive quand même. En plus, c'est une grosse esquive. Ramassage. Il n'y a pas mieux. Trois. Là, on ramasse ça à fou à beaucoup, on esquive, on transmet à beaucoup. Ah, voyons déjà si on peut réussir ça. Puisque de toute façon, il faut commencer par ça. Toi, t'as quoi? T'as pas tacle? Donc, ouais, c'est bien ça. On va tenter de relancer. Bon, c'était trop compliqué. Beaucoup trop compliqué. Après, je transmettais ici. Et je pense que j'aurais essayé de trouver un push-push par là. Peut-être même avec les gobs, hein, tant pis. Et puis on tentait. Allez, dégage maintenant, toi. J'en ai marre de te voir. Le roule-mort. Alors, bah c'est parti. Là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut tabasser les nains. On va les tabasser, mais on va les tabasser. Mais on va les tabasser. Ça va être incroyable comme on va les tabasser. Et le troll, KO, hein, bien sûr. Non, mais putain. Franchement, j'en peux plus de ce troll. Hein. Franchement, c'est le pire troll que j'ai jamais vu. Hein. Et pourtant, j'en ai vu des trolls. Mais alors, Arthag est là, franchement, je suis bluffé. Hein. Il est très bien, Rollbram, le jeu. Alors, il va manquer des choses, évidemment, puisque c'est le tout début. Mais il y a les nouvelles règles. Et rien que ça, c'est génial. Bon. T'inquiète, Pink Charlie, on perdra pas ce match, je te l'annonce. Ouais, le troll qui me troll de la buvette. Oh. Oh. Je vais tenter de ramasser d'abord avec lui. On va ramener lui ici au cas où. On ramassera avec ce gob. Allez, déglinguez-les. Non. Allez, déglinguez-les! Ça y est! Allez, sors-le! Sonnez. Ne rien faire. On va blitzer où? 1, 2, 3, 4, 5. Blitz là? Salutations Colt, comment tu vas? Allez, 4+. Ok.
Bah lui, j'ai laissé par là en me disant que si la balle se barrait, si je pouvais avoir un gob pas trop trop loin, ça pourrait être intéressant. Non mais j'en ai fait une, Sarko, je me suis fait expulser. J'arrête. Salutations Choufrique, comment tu vas? Obligé de relancer hein, parce que je veux pas utiliser tout de suite bagarreur. Oh allez, sors-le! Je veux pas m'en sortir un à un moment. On va venir là, on va retenter de ramasser. Bien. On va venir là. On va se recentrer. Le gob, on va le mettre un peu à l'arrière. Encore que, on peut même le mettre là plutôt, c'est mieux. Là, on revient avec ce gob. Et on va faire fin de tour. On va pas le perdre ce match, moi je vous le dis. Là, on lui fait croire qu'on va essayer de forcer le passage ici. Mais évidemment, on va creuser en plein centre et essayer de changer de côté. Par contre, son mouvement 7 est là. Franchement, il a été chercher directement une capacité de, une caractéristique. D'accord? On va blitzer là. Il est nul ce Varag aussi. Hein. Deux, trois, quatre. On va le mettre là. Toi, tu avances. Toi, tu vas venir là. On va se prendre des coups, hein. Mais on devrait quand même réussir à tenir à peu près. Est-ce qu'on vient faire une grosse? Non, on va pas faire un gros truc là. On va se mettre par ici plutôt. Et fin de tour. Donc Googlix est sonné. Googlix, tu prends des coups aujourd'hui, hein? Ouais. C'est fou hein, ce joueur en 1 qui bouge de 7 là. Si on pouvait le choper celui-là, ce serait bien. On va continuer à forcer à droite, je pense. Il n'a pas encore blitzé, il va avoir un blitz. Ici, il n'aura pas un 2D. C'est ça qui m'intéressait parce qu'il n'a pas de garde. Donc j'aurai un 2D ici. J'aurai un 2D là. On va envoyer les gobs pour protéger. Il fait un double rideau avec des nains, c'est bien, c'est joli. Oh, un triple rideau. Ah, il a tenté le blitz ici, d'accord. Ok.
On a un 2D là. On a pas mal de 2D ici. On va pouvoir repartir par là. Ah. Pas trop mal joué ça. Je dois l'avouer, c'est pas trop mal joué. Bloc. 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 Blitz. Oh, sérieusement? Non. Blitz ici. On reste. On vient là. Bloc ici. On reste. Et fin de tour. Ah oui, non, mais je compte bien au moins avoir le nul, hein, Burpa. Clairement. Hein. Mais j'ai déjà grillé deux relances. Elles ont sauté beaucoup trop vite, malheureusement. Donc là, il a tapé avec tacle, donc il a bien fait. Par contre, ouais, il me met là, c'est bien joué. Comme ça, il va mettre des joueurs ici. J'ai une esquive 3+, avec esquive... Oh, le GFI. Relancé. Waouh. Une relance. Ok. Il revient, il va faire un dé ici. Bon, ici on a 2 dés, parfait. Le 1D ici. Comme ça, je vais le virer, c'est le marteau pilon, je voulais pas le garder, donc ça tombe bien.
Ok. Bagarreur. Allez, bagarreur. Ouais. On poursuit. Et on va rester comme ça. Hein. On n'a pas vraiment le choix. J'ai libéré deux orques noirs ici qui peuvent revenir à toute berzingue. Si ça marche. Mais il a deux nains ici. Complètement disponibles. Il va blider sur Varag. Oh, je prends moi. Ça va demander tellement... Non mais il est sérieux? Faut que j'aille marquer là, non? 1 dé, 3 plus, 3 plus. Je vais essayer ça. Ah, il la garde. Il la garde, mais putain, mais regarde, bigadin, sérieux, t'es lourd. Lui, il attaque là. Non, il a pas tacle. Aucun attaque ici. Ok, toujours pas. Mais je vais pas taper là. Hein. Si je tape, il peut venir se coller. Donc là, il a un 1, 2, 3, 4, 5, un GFI. Esquive 3 plus GFI. Est-ce que j'ai blitzé? Mais non, j'ai pas blitzé, c'est parfait ça, en fin de compte. Salutations Lloyd, comment tu vas? Il y a un timer de combien? 25 minutes je crois que t'as. Bon ça on prend évidemment. Il peut encore me... Avec deux GFI ici il peut me choper. Tant pis. Bigadin, pense à changer la scène. Ouais, je vais... on va le faire après le match. Acta. Allez, double GFI, il peut blitzer à 2D sur mon gob. J'ai mal joué, hein. J'aurais dû blitzer d'abord, me mettre là, mettre le gob par ici, ça aurait été tellement mieux. J'ai hyper mal joué. Après, peut-être que il va avoir envie de surfer mon gob ici. Non, mais non, bien sûr que non. Il a raison. Bon, il touche. Par contre, il a plus de mouvement, donc je vais envoyer la balle. Je peux envoyer la balle où je veux.
Mais pourquoi je peux pas envoyer la balle où je veux, sérieux? Donc elle marche pas, cette compétence. Oh, ça me saoule! Bah non, fa, y a pas de raison, hein. On va tenter le tout pour le tout. Un 4+, que je relancerai certainement. Un 5+, même. Non, je vais pas relancer, en fait. Ouais, donc libération contrôlée, ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un a déjà pu s'en servir? Si ce joueur est plaqué ou mis à terre, alors qu'il est en possession du ballon, vous pouvez placer celui-ci sur une case adjacente. Cette compétence peut être utilisée même si le joueur est à terre. Salutations Gébron, comment tu vas? Salutations Slevine. Salutations Booba, comment allez-vous? Lloyd, je t'ai dit bonjour, j'ai un doute maintenant. Je me rappelle que j'étais en colère. Et que j'ai dit bonjour à certaines personnes, mais je ne sais plus lesquelles. C'est un peu ça, ouais. Burpa. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Hein. Bah, non, je pense pas, Slevin. J'ai le bouquin ici. Oui, alors c'est peut-être aussi mal traduit dans le bouquin. Hein. T'as perdu ce match, ça fait vraiment mal. Hein. Si un joueur est plaqué ou mis à terre, mais pas s'il chute. Quelle est la différence entre plaqué, mis à terre et chuter? Peut-être une esquive ou un GFI? C'est ça qu'on appelle chuter? Alors qu'il est en possession du ballon, le ballon ne rebondit pas. A la place, vous pouvez poser le ballon sur une case inoccupée, adjacente à celle que ce joueur occupait quand il s'est retrouvé à terre. Donc non, non, ça aurait pu marcher, ça aurait dû marcher. Ça devait marcher. On va tenter, hein. Alors. Je pourrais lui passer une armure, juste une armure. Non, d'accord. Non, c'est pas grave, hein, je demandais à tout hasard. Je peux blitzer lequel? Je peux blitzer lui, mais ça a pas grand intérêt. Au pire, ça fait quoi? Moins 1 en capacité de passe. Qu'est-ce qu'il en a à battre?
C'est un peu tard, Varag, je te cache pas. Il a tenté de le sauver, sérieux. Bon, en même temps, je vous avouerai, hein, c'est le dernier tour, donc il a pas entièrement tort. Non, c'est vrai. C'est moi qui m'emballe là, je suis agacé donc je m'emballe. Je vais tenter un dé sur la balle. Si elle rebondit, on a peut-être une petite chance. On va voir. Je fais un seul dé. Je fais un dé de tout le match. Je fais crâne, relance crâne. Sérieux, con de jeu? Je te désinstalle, moi. J'en ai rien à foutre, hein. J'ai aucun scrupule, hein. Et puis Artak, j'ai apprécié. J'ai apprécié de t'avoir, vraiment. Dans le match, j'ai trouvé que t'avais apporté quelque chose de plus. Il y avait comme, je sais pas, comme une motivation supplémentaire au niveau de l'équipe. C'est ça, Artag. Quand je joue sans toi, je perds. Par contre, Artag, t'as intérêt à avoir laissé de la bière. Hein. Ah voilà, ça c'est bien, Artag. T'as surveillé la buvette. Oh, c'est déprimant de perdre ce match. Non, c'est vrai, Acta. Il n'a pas été une seule fois stupide.